Bonjour et bienvenue sur Contentline Info. Au sommaire cette semaine, mémoire du diplôme d'expertise comptable, rupture conventionnelle et projet de loi de finances pour 2015. Vous avez terminé votre stage d'expertise comptable et obtenu l'attestation de fin de stage. Votre demande d'agrément est revenue avec la mention 4.1. Vous posez certainement bien des questions sur le mémoire. Où trouver les exigences du jury? Quelles sont les règles de forme? Puis-je changer mon plan? Comment se déroule la soutenance et comment s'y préparer? Retrouvez sur notre site l'intégralité du dossier consacré à cette thématique et rédigé par M. Fabrice Evrard, diplômé d'expertise comptable au cabinet Montiel-Laborde. Une salariée signe une rupture conventionnelle avec son employeur à la suite d'un accident du travail. Elle en demande la nullité. Selon elle, la rupture conventionnelle est interdite par l'article L. 1226-9 du Code du travail. Mais la Cour de cassation admet la validité de la rupture. Une rupture conventionnelle est possible même en cas d'accident du travail. Seuls les cas de fraude ou de vice du consentement permettent d'obtenir la nullité. La salariée n'avait pas été déclarée inapte au travail. Le projet de loi de finances a été présenté au Conseil des ministres le 1er octobre 2015. De nombreuses mesures sont annoncées. Le barème de l'impôt sur le revenu est modifié pour soutenir les ménages aux revenus modestes. Le crédit d'impôt pour dépenses d'aménagement de l'habitation principale passe à 30%. Il change de nom. L'abattement supplémentaire en cas de cession de terrain constructible est confirmé par la loi. Le prêt à taux zéro est prolongé jusqu'au 31 décembre 2017. Mais ce ne sont que des exemples. Retrouvez sur notre site l'intégralité de l'article de Maître Clotilde Cattier, avocate fiscaliste inscrite au barreau de Paris. Vous pouvez accéder gratuitement à tous nos articles sur le site Compta Online. Vous retrouverez les liens en dessous de la vidéo. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine.